le 6 novembre 2021, action Yali Bosso. Le kola nanu e salema te na mboka oyo e ko salema na bokasi ya biso nyonso congolaise congolais laïque pe enseignant politicien mwana classe nyonso mukolo wana toko telema elongo bo mutu moko tola kisana mokilike ezali te po to vandi kimia ke tozali dzoba peuple congolais azali faible te peuple congolais azali petete. Totelema tata mama to simba na maboko elongo to bimisa Congo na biso na bowumbu. En aucun moment et d'aucune manière l'ordonnance de nomination de quelques membres de la CENI ne constituera un acquis démocratique. À ce jour, le constat de la gouvernance du pays est l'instauration lente mais sûre et résolue d'une dictature dévastatrice. Nous demandons aux Congolais et Congolaises, à travers les quatre coins du pays, à nous rejoindre afin de sauver notre souveraineté constitutionnellement garantie. Nous vous prions de vous lever pour qu'ensemble, comme un seul homme, nous reprenions notre souveraineté. Trop c'est trop. Non à la CENI telle qu'imposée, non à l'abrutissement de nos enfants, non à la paupérisation de nos enseignants, non à l'absence de l'autorité de l'État, non à l'escroquerie via RAM. Le monde verra et comprendra que le peuple congolais n'est pas faible ni lâche et qu'il est fondamentalement opposé à la parodie d'état de droit irrévérencieusement scandé par ces zéros. Mesdames et messieurs, Congolaises et Congolais, membres de la presse tant nationale qu'internationale, l'heure et synergie de tous nos mouvements respectifs, nous, forces sociales et politiques de la nation, nous avons invité à ces points de presse. En effet, face à la dérive totalitaire, savamment conçue et orchestrée, pour une mise à place cynique d'un mécanisme de prédation, le peuple congolais, dont les aïeux ont chèrement acquis la souveraineté nationale et internationale, ne peut rester indifférent. En aucun moment et d'aucune manière, l'ordonnance de nomination de quelques membres de la CENI ne constituera un acquis démocratique. Par conséquent, il ne saurait être accepté. Il est clair que la scolarité des enfants et la prise en charge des enseignants, la persistance des massacres et tueries dans la partie est de notre pays, la problématique de la suppression totale du RAM et tant d'autres questions qui constituent les aspirations et les ententes des souverains primaires congolais sont les cadets des soucis du pouvoir dont les décisions répondent davantage
à une volonté d'usurpation des droits fondamentaux du peuple congolais. Mesdames et messieurs, Congolaises et Congolais, chers amis de la presse, point n'est besoin de rappeler en ces lieux que les valeurs éthiques sous-tendent le respect des règles de jeu établies en l'espèce, à l'espèce nos lois. Les pères des églises catholiques et protestantes l'ont souligné à plus d'un titre. À ce jour, le constat de la gouvernance du pays est l'instauration lente mais sûre et résolue d'une dictature dévastatrice. Cela étant dit, comme annoncé, nous demandons aux Congolais et Congolaises à travers les quatre coins du pays à nous rejoindre ce samedi 6 novembre 2021 pour notre grande marche populaire afin de sauver notre souveraineté constitutionnellement garantie. Papa, maman, jeunes, vieux, laïcs, catholiques et protestants, amis de la démocratie, personnes éprises de paix, de justice et d'équité, hommes de bonne volonté, nous vous prions de vous lever pour qu'ensemble, comme un seul homme, nous reprenions notre souveraineté. Trop c'est trop. Non à la CENI telle qu'imposée, non à l'abrutissement de nos enfants, non à la paupérisation de nos enseignants, non à l'absence de l'autorité de l'État, non à l'escroquerie via RAM. Le samedi 6 novembre 2021, le monde verra et comprendra que le peuple congolais n'est pas faible ni lâche et qu'il est fondamentalement opposé à la parodie d'État de droit irrévérencieusement scandée par ses zéros. Que Dieu bénisse la RDC, que vive le peuple congolais, nous vous remercions. Mouvement citoyen, mouvement citoyen, naba laïque protestant, paix ba laïque yaba confession moussouf, oyo ba moni, loko la bisque, oyo ezali kosale makuna, naba ebazok kamba bisou na moka, ezali malamute, esalemi nandenge elongo bani te, mibeko elandemi nandenge oyo ekomama te. Batiei seni oyo respecte mibeko ya mboka te. Bapesi biso tax oyo tozo futa toyebi tina tozo fute la te. Tengi mbo ram pe mbongo yango epaye zo kende toyebi te. Bana na biso mwaye matanga lisusu na kimia ezali te po ba ensegna na bango. Bazali reyelma pris en charge nandenge esengeli te. Manso mazako leka tomoni loko la peuple congolais atikali orphelin bande konabiso oyo bazali na zone ya nde eloko ezako bimisa biso na miso tongo pokwa mazako senga yango basilisa koboma bande konabiso bazali na est pasi oyo bitumba oyo toyebi tina na yango tu pe makolo na yango te esila nzala oyo ezali na espace centre ya mboka na biso esila bozomona bana na ba mama na biso ya espace centre ya mboka na biso ke pasi ezali sans fra ya pamba po basomba liboka ya ndunda insécurité grandissante na ville ya Kinshasa pe ba ville nyonso ya minene eta wapi bazali na palais du peuple kowela ba jeep to le peuple.
ekoki kobanda date ya samedi le 6 novembre nalingi koloba poso oyo te kasi oyo tozo banda le 6 novembre 2021 action yaliboso lokola nanu esalema te na mboka oyo ekosalema na bokasi ya biso nyonso congolaise congolais laïque pe enseignant politicien mwana classe nyonso mukolo wana toko telema elongo bo mutu moko tola kisana mokilike ezali te po tovandi kimia ke tozali zoba peuple congolais azali faible te peuple congolais azali petete nde mukolo wana ya samedi le 6 novembre 2021 peuple congolais akosala démonstration ya yambo o mokili mobimba ekomono pe ekolobela libela libela to telema tata mama to simba na maboko elongo to bimisa Congo na biso na bowumbu wana ezali liloba ya ba leader oyo bomoni bavandi awa bandeko ya ba mouvement citoyen ba force sociale ba force politique pe ba laïque catholique protestant pe baninga mususu kolo azala na bino kolo azala na mboka na biso pe tokolonga wana message na